Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur cette rediffusion, premier épisode du coup de The Hunter Call of the Wild. Je l'ai annoncé dans la vidéo annonce du mois que bah voilà, The Hunter fait son entrée dans le catalogue de jeux de la chaîne et c'est un jeu sur lequel j'avais envie de me lancer. Alors, il est déjà joué, mais j'avais envie de revenir dessus et de relancer une partie avec vous. Vous avez été très nombreux à suivre Hunting Simulator 2 avec son DLC également, et vous avez été nombreux à me demander de revenir sur Hunting Simulator. C'était pas mon souhait, parce que bah voilà, j'accrochais pas au jeu, je trouvais qu'il manquait des features sur le gameplay qu'on a de disponible sur The Hunter, et du coup je me suis dit, bah tiens, vous êtes en attente, j'aime bien, pourquoi pas se lancer? Donc je vais voir un petit peu comment vous réceptionnez ce jeu, comment vous l'accueillez, et si ça fonctionne. Eh ben, on continuera sur un let's play voilà, qui durera un petit peu plus dans le temps. Donc ce jeu est sorti en 2017 sur PC, sur PS4, il est peut-être sorti sur Xbox, très certainement d'ailleurs. Sorti en 2017, développé par Avalanche Studio. Il y a eu plein de petits DLC qui se sont ajoutés, des nouvelles réserves, des nouveaux des animaux, de l'équipement, etc. etc. Vous avez en lien de la description, enfin vous avez en description de la vidéo le lien pour acheter le jeu sur mon lien affilié. Il coûte quelques euros, même pas 5 euros je crois. Voilà, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir si vous ne connaissez pas. C'est pas un gros investissement, mais c'est un jeu qui vaut le détour. Donc on va se lancer. On va se lancer, on va continuer, on va faire une nouvelle partie, justement. Eh ben allez, c'est parti, c'est pas grave. Alors, homme, femme ou homme? Ok. Est-ce qu'on peut prendre un mâle caucasien? Il me ressemble un peu. Allez, on va prendre le barbu. Alors, Layton Lake District. C'est la région des lacs. Ça peut être pas mal. Sinon, on a le National Park de Medved Taiga. Donc ça a l'air d'être plus dans la Russie, en Sibérie exactement. Ours brun, élan, renne, lynx, cerf, porte-musc. Ok. Ici on a quoi? Des ours noirs, des wapitis, des cerfs de Virginie, des coyotes, des cerfs à queue noire. On a Savannah. On a quoi? Des chacals, des phacochères, des springboks, des petits coudous et le buffle du Cap. Le parc de Fernando. Des pumas, etc. Yukon Valley. Très bonne réserve. Ah, ils en ont ajouté pas mal quand même depuis que j'ai arrêté. Hein. Le Far West, le Mississippi avec les alligators. Oh, il y a énormément. Vous avez vu un petit peu la quantité de réserves qu'il y a. Hein. En sachant que je n'ai pas de DLC d'installer, c'est vraiment juste les mises à jour. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 réserves. Il y a de quoi se faire plaisir. On part sur Layton Lake, la région des Grands Lacs. C'est parti, let's go. You made it here in one piece. Welcome to the Untamed Wild. Name's Colton Locke, but everyone calls me Doc. I'm the Hop, warden up détail here. Technique. I know just about every nook and cranny of this place. Ok, Doc, c'est le garde chasse. I heard this is your first time in the Pacific Northwest and Lake District. Well, this here's the best hunting reserve you'll find in 100 miles. I've been hunting here my whole life. And I still don't get tired of this place. Très bien. Ok. Donc on a le téléphone qui nous permet, qui peut servir de petit GPS aussi si on a envie. Go ahead, look around. There's a lot to discover around here. Not just the big game. Ok. On va se mettre en chasse. Let's see what you can do. Try to find an animal track around here. Déjà par rapport à The Hunter, je trouve quand même que c'est peut-être un petit peu plus joli. Hop. On peut avancer. Donc, on a des petites cabanes comme ça. Est-ce qu'on a... Oui, on a déjà deux fusils, des hapeaux,
des jumelles. On a camouflage olfactif. On a quoi? La ranger, avec des balles à tête molle et une lunette. On a la Caversham, donc c'est plutôt un fusil et ça une carabine. Et on a un pistolet à tête, avec des balles à tête blindée. Ok. Vous avez vu, déjà, il y a un animal qui... Oh bah. Ok. Alors, juste, il y a plein de choses. Plein de choses. Contrairement à The Hunter, Hunting Simulator, vous pouvez voir ici, la colonne, elle est remplie. On a la carte, on a le journal de mission, on a l'inventaire, on a les compétences, les talents, le codex, les trophées, le bêta club du chasseur, ça, bon, peu importe, et les options. C'est énorme. Il y a vraiment plein d'options. C'est très ergonomique et j'aime beaucoup. On a le rappel tout en haut, là-bas, l'expérience, le niveau, notre argent, et au milieu, les points de compétences et les points de talent que nous pouvons utiliser. Alors, si je me mets comme ça, voilà, si on a par exemple le journal de mission, doc, ce qu'il nous dit, les premiers pas, on a la carte aussi qui se charge, et regardez comme c'est grand. Voilà, ça c'est la chasse. On a vu ici, vous voyez, il y a la petite jumelle, là. Ah, si je sors du jeu, ça va pas le faire. Hop. J'ai un petit bug. J'ai un petit bug. Ok, ça me fait sortir de la fenêtre du jeu, pardon. Donc, vous avez la jumelle ici, c'est la tour de guet qu'on a vue un petit peu plus haut. Donc le journal des missions, l'inventaire, qui est plutôt bien fait, et on a la roue ici, et je trouve ça très pratique. On peut stocker notre inventaire ici, tout ce qu'on veut. Nos armes, nos munitions, en plus on a le rappel ici, et on peut adapter à chaque truc. Nos mires, nos leurres, des produits de consommation. Donc là, on a du camouflage olfactif. On peut avoir plein d'autres choses. Et les jumelles. Nous avons les compétences. Donc les compétences, pour le moment, bah voilà, on n'a rien. Mais on pourra commencer avec localisation des traces. Le cône de pistage devient plus étroit. Vous allez voir que quand on va pister, on va avoir un cône qui va nous indiquer l'orientation du départ et de l'animal et dans quelle direction vont les traces. Nous avons aussi les talents, nous permettent d'améliorer nos capacités de chasse, le codex, la loge des trophées, donc pour retrouver tous nos trophées, si on veut, et voilà. Donc vous pouvez voir en bas à droite, il y a une petite boussole avec un cône vert. Le cône vert, c'est le sens du vent. Donc si jamais je me mets dans le sens du vent comme ça, en sachant que le vent est dans mon dos, ça veut dire que mon odeur va être portée devant moi. Vous voyez, en plus, il y a le lac qui est juste derrière. Point d'eau, souvent des animaux. Je peux me baisser. Je peux courir. Là, je vais me baisser parce que vous voyez qu'il y a aussi un indicateur. Donc, vous avez le nombre de balles chargées, le nombre de balles disponibles. Il est où? Il s'est barré pendant que je parlais. Peut-être. Non, il est juste là. Alors... Faut prendre les jumelles, on va le faire. Hop, on repère l'animal. On peut pas prendre le mode photo, s'il vous plaît. Ok, on peut zoomer, on peut zoomer. Calme dérisoire, c'est le niveau de la bête. On va prendre une photo. Donc vous pouvez voir, du coup, là, on a sélectionné les jumelles. Dessous, il y a nos points de vie. Parce qu'on peut chuter, on peut se faire mal, on peut se faire attaquer par un animal. Et du coup, on peut perdre des points de vie. On a notre rythme cardiaque. On a notre visibilité. Et à côté, il y a le petit icône pour le son que nous pouvons émettre. Voilà. Donc là, on va prendre la carabine. Pas zoomer plus. Listen. Did you hear that? Voilà, une balle en pleine tête. Calls are really helpful when locating an animal. Ça se fait, non? Mais non. Je voulais pas tirer. Une deuxième balle.
Il est où? Vous l'avez vu tomber comme moi? Déjection à l'instant. C'est pénible ce mode photo. Alors, j'ai mis une balle en pleine tête. Et vous allez me dire qu'elle est repartie par là? Pourquoi je l'ai pas vu partir? Ah excellent, ça couche l'herbe. Là je vois pas où il. Alors, du coup, si vous connaissez un petit peu plus le jeu, l'animal a disparu là. Là je vois aucune trace. Moi je viens de là, mais il n'y a aucune trace de départ de l'animal. On a quelque chose là. Ah, on va pouvoir le pister. En même temps, avec une balle en pleine tête, le gars, c'est Robocop, quoi. Ah bah voilà, il me semblait bien qu'il avait dû partir par là. There are times when you want to be moving fast out here, but not when on a hunt. The animals will hear you coming a Un mile canard. away. Ok. Bon, on va pas s'occuper des autres traces, mais Stay on va low when continuer you're de traquer stalking an notre animal animal. to avoid being seen. Là-bas. Après, il perd pas mal de sang quand même. Il y a bien un moment où on va le retrouver couché quelque part. Et oui, avantage, on peut sauter dans ce jeu, contrairement à Hunting Simulator. Alors. Bah, avec tout le sang qui perd, on va bien retrouver le corps quelque part, non? Ok, on a les traces là. J'aime beaucoup le fait que voilà, on est au début du jeu. On est au début du jeu, mais on a quand même le marquage aussi. Saignement très faible. Nous. Après, saignement très faible. Je vous avoue que je suis déçu quand même. Et j'ai perdu ces traces. Bon. Bah écoutez, zut. Regarde le téléphone, il y a une zone rouge. Alors, comment on regarde le téléphone? Comme ça. On sélectionne le téléphone. Élever un animal. On peut pas courir plus vite? Là, je veux bien prélever l'animal, mais il faudrait déjà que je retrouve le cadavre. Bah, il n'y a pas de zone rouge. Il n'y a pas de zone rouge. Là, je sais pas ce qu'on a du coup. Pourquoi ça nous met. Vous allez pas me dire quand même que le cerf aurait couru jusque-là. Aucun organe touché. Bon, bah, on va placer un marqueur. Hein. Par contre. C'est quand même fou. J'ai quand même visé la tête, quoi.
on n'était pas loin. J'aurais été à 2 km, je dis pas, il y a un drop de le bullet drop, etc. Pas le cas. On a quoi? Il est à 135 mètres. On va aller voir ce qu'il y a à 70 mètres. C'est sur notre route. Je l'ai pas rencontré encore le capitaine Akram, donc. Keep track of where the wind is blowing. Animals will pick up your scent easily if they're downwind from you. Par contre, on peut pas stabiliser la visée là? C'est un truc de fou ça. Et là, le petit coyote. Ok. Mode photo va me saouler. On va s'approcher un petit peu. Il est dans les buissons. Oh, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres là. Non, c'est juste un artefact. Ok. Bon, je sais pas pourquoi il danse. Un animal a détecté ma présence. Coût 1700. Bon, on n'a pas d'argent, donc. Oh. Il est passé où? L'autre là-bas. On va essayer de le choper quand même. Il y en a un, il a disparu derrière les fourrés. On va essayer de partir un petit peu sur le côté pour le prendre à revers. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Un élan. Oh non, deux Zeus. Ok, je vais me décaler un petit peu parce qu'il y a quand même un arbre au milieu. Et si j'ai envie de lui coller une balle dans les poumons. Ah j'ai... Et pourquoi il... Ah non! Allez, relève-toi et cours. Cours, on t'a dit! Oh là là, ça va me saouler. Il court lentement. Merde, mais lui aussi, il s'est barré. Ils sont en titane, ces animaux. C'est un truc de fou. Élan, il est parti au galop. Ok. Saignement très faible. C'est une blague. Une blague. Il n'y a pas de zone rouge. On va se diriger vers cette zone là-bas. Hein. Je sais pas, je dois avoir des cartouches de sel, un truc comme ça, j'en sais rien, c'est un truc de Barjo.
J'ai fait un deuxième trou, c'est ça. Par contre, très très long à recharger. On peut pas enchaîner les. On peut pas enchaîner les balles. Hop là, attention de pas se faire mal. Ah, c'est les Terminator, hein, ça c'est clair. Après, j'étais pas forcément bien placé, j'ai pas bien visé. Un lapin, non, je vais pas chasser le lapin. Il y a de la brume, c'est super bien fait. J'aime bien, c'est que du coup, les feuillages sont bien faits en fonction de là où tu marches. Bah, du coup, tu fais plus ou moins de bruit. Là, on voit que le cardio, il commence à être pas mal. Hop, si je me baisse là, du coup, on me repère moins. Et je fais moins de bruit. Et ça va calmer le cardio. J'étais proche là quand même. On va aller là-bas. On va voir ce que ce point d'interrogation. J'ose espérer que c'est le cadavre de notre premier animal. Et si c'est pas ça, eh ben tant pis, on va se mettre vers le point d'eau. On va regarder autour du point d'eau, voir un petit peu s'il y a des animaux qui viennent. La galinette cendrée, mais oui. Pan pan. Alors. Là, je vois pas beaucoup d'animaux par ici. Ah bah si, regardez. On va se rapprocher. Ils sont sur ma route. Le jeu est très beau, hein. J'aime beaucoup les montagnes. Regardez la qualité de l'eau aussi. On rappelle que le jeu date de 2017. Pas 2020 comme Hunting Simulator. Lit marqué. Oh, il y a un ours. Après, on entend qu'on est bien dans le marais aussi. On n'est pas très loin des ours. On fait beaucoup de bruit. On est fatigué, donc je vais marcher un petit peu. Attention au roseau. Ça peut cacher un sanglier. Pour l'avoir vécu. Il va y en avoir ce soir des cartouches. Ouais. Ah. Il y a un aigle. Et aux alentours, faut faire gaffe parce que on pourrait tomber nez à nez avec un ours ou quelque chose comme ça. Ce serait pas la même histoire. Alors, inspecter. Point d'intérêt. Eau polluée. Ok. Connaissance débloquée. Nouvelle entrée dans le codex. Très bien. Super. On va courir. Ça va être la première tour de guet qu'on va débloquer. Oui, je sais pas du tout. Là, je crois pas qu'il y ait un système d'amende. Pas que je me souvienne en tout cas. J'espère qu'on arrivera à tirer quelqu'un, enfin quelque chose, d'ici tout à l'heure. C'est dommage. En tout cas, on a vu plus en peu de temps. On a eu plus d'animaux que dans Hunting Simulator, des fois sur toute une session. Ah,
Bah, en fait, c'est surtout que là, je me suis pas forcément amusé à pister des animaux. Là, on sait qu'on a les ours par là-bas. Je vais aller prendre la tour de guet. Je suis pas forcément des plus discrets non plus. Enfin, voilà. On va marcher, on ne sait jamais. On a la hauteur pour nous. On peut peut-être surprendre un animal qui serait en contrebas. On va ouvrir les yeux. Et là, à travers la forêt. Pas sûr de voir grand-chose. Bon, allez. Montons jusqu'à la tour de guet et on avisera ensuite. On peut utiliser un hapeau. Magnifique. Ah, on a fait fuir un dindon du coup. Énorme. Donald a ramassé. Mais oui, il fallait acheter les permis de chasse. Alors, dans l'idée, c'est pas bête, mais oh, c'est magnifique. Balmont's not only where Hope set up camp, it's also famous for the railroad bridges along the old North Pacific line. Keep an eye out for them if you can in between blacktail hunting. Or, why not use them as vantage points? I once bagged a whitetail from the Runaki Bridge. Ok, donc ça c'est juste des points d'intérêt. On va de toute façon peut-être redescendre vers les lacs là. Sauf si on aperçoit des animaux d'ici. On pourrait descendre soit sur les rives là, soit sur les rives là-bas. On sait qu'il y avait des ours par là-bas quand même. On va voir si on peut le récupérer. On est au moins une bête à nos trophées ce soir. Mais c'est vrai que sur Hunting Simulator, devoir récupérer le permis, derrière tu pouvais chasser que ça et en nombre limité. Et si tu chassais autre chose, tu prenais une amende. Si tu tirais deux fois sur un animal, tu prenais une amende. C'est vraiment relou. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire? En munitions. On a des munitions de carabine à tête molle et de la chevrotine. En général, de toute façon, vers les points d'eau, c'est là où tu peux aisément trouver un peu plus d'animaux pour qu'ils viennent boire. Donc si tu arrives à te poster... c'est ça, je vais chasser les ours avec une carabine à plomb et un pot à canard. Tout à fait. Moi, j'ai peur de rien. Ok, ça c'est des très anciennes traces. Donald et Winnie vont se marrer. Et je sais pas si vous avez vu, ils ont fait un film d'horreur sur Winnie l'ourson. Ça s'appelle Winnie the Pooh, Blood and Honey. Du sang et du miel. Oh, le lapin. Non, je vais pas chasser le lapin, j'ai pas envie. J'ai pas encore regardé le film, il faut que je me pose pour le regarder. C'est un caillou. Je me demandais si c'était un dindon ou pas, là, en plein milieu. Alors. On a des petits animaux dans le coin.
Je vois rien. Ah. Il est pas loin. Il nous fait coucou. Ce mode photo est très gênant. Par contre, on est en plein dans l'axe du vent. C'est très gênant. Alors, où es-tu? Là, on a des traces. En avoir là, parce qu'il était quand même dans le coin. Je sais pas où il s'est barré, mais il s'est bien barré. Pourtant, il avait vraiment pas l'air loin. Ça, c'est un coyote. Non mais sérieux, il est où l'ours qui était là? Il était là. C'est un truc de fou. Cri d'accouplement. Bah non. Ah, ça me daille. C'est ça, j'aurais dû installer Arc. Et ben voilà. On va se faire ça. Jamais joué à Arc. On m'a proposé de rejoindre un groupe un jour et en fait j'avais pas le jeu donc bah j'ai fait bah non. Ok, les glouglous ils sont là derrière. On va s'approcher au maximum. Cinquante-six, 80 mètres. Oh, il y en a un qui est juste là. Pas si je peux l'avoir à cette distance. J'arrive pas à stabiliser mon arme. J'essaie de me rapprocher un petit peu plus. J'arrive pas à stabiliser mon arme. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. Ok, tous les autres ils s'envolent. Et on a eu un glouglou. Bah, je retiens mon souffle. Ça retient un petit peu, mais voilà, c'est pas foufou. Le moment décisif du live. J'ai la goutte au front. Moi aussi. Ouais, t'as combien de mètres pour tirer? Un axe discret, ça n'existe pas. C'est compliqué. Hop, valider le trophée. Alors, premier trophée, le dindon de Meriam. Meriam, si tu nous écoutes, désolé. J'ai tiré du coup une femelle de 4,20 kg. Une brune, bien entendu. C'est dérisoire. Organe de trophée, rien. Très bien. 3,35, évaluation, règle de prélèvement. Expérience 79. Alors, je vais vous enlever la caméra. Argent 574. Score de session 88.
Cher intestin 100%. Parfait. Et on l'a tiré à 65,81 m. Ah, c'est pour ça que les balles sont rouges là. Ici, c'est pas le bon calibre. Faut tirer les mâles. Non, moi je tire que les femelles, hein. Je suis désolé. If you want to get your bearings, voilà. There are lookout points where ah, bah gain de niveau, parfait. J'avoue, je passe pas trop inaperçu. Alors, prélever un animal, accompli. Apporter une mort rapide à l'animal. Je pense que ça a été fait. Il a un petit peu battu des ailes, mais voilà. Du coup, on a un point de compétence. On va prendre localisation des traces, parce que c'est tout ce qui est débloqué à notre niveau. Niveau 1, le cône de pistage devient plus étroit et précis, aussi bien dans le monde que sur la carte. Voilà, parfait. Après, la pluie est ma meilleure amie, vous devenez moins visible par temps de brouillard ou par temps pluvieux, c'est cool. Révèle des informations sur le sexe de l'animal. Très bien. Pour les empreintes et les cris. On peut avoir la taille de l'animal, c'est cool. Ok. Bon, bah voilà, premier animal. No shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it either. Maintenant, où est-ce qu'on peut aller? Ah oui, c'est tout violet là, en effet. On a le camp de Hope ici. Il nous a parlé du camp de Hope tout à l'heure. On te donne ces trois armes au début. Donc la carabine, le fusil et le pistolet. Et après, bah, tu les achètes sur le camp de base. À la boutique. Oh. Et après, il faut les acheter. Donc, pour les acheter, bah, faut avoir quand même de l'argent. Oh, aussi. Oh, il y avait un animal par là et on l'a pas vu passer au trot. Oula! Je vais y aller en rampant. On peut voir à combien de mètres il est là ou pas? Facile. J'y vais, je me faufile tel le serpent. Il m'a toujours pas détecté. Je me rapproche au maximum. Bonne nuit David, merci d'être passé. Je sais pas pourquoi je parle tout doucement. J'ai pas envie d'effrayer l'animal. C'est une belle bête, hein. Waouh. Je pensais pas pouvoir me rapprocher autant. Je me dis, plus je me rapproche et plus j'ai de chances de faire des dégâts.
Le recharger rapidement, s'il te plaît. Ah! Vas-y, tombe. J'ai cru qu'il allait me charger quand même, l'animal. Alors, catégorie 8, c'est un mâle de 545 kilos. Pouf, on va avoir quoi manger, les amis. Brun clair, difficulté facile. Bois, organe de trophée, crâne. Cool. Règle de prélèvement, c'est pas le bon calibre, c'est pas la bonne mire, y a rien qui va. Chair poumon gauche, 53%. Ok, je peux voir le score véritable. Ok. À la chevrotine, 8 m47. Je vais faire Rambo, je vais le prendre au couteau. Vise sur le côté, derrière la patte avant, niveau du poumon. Ouais, ok. Bon, bah 783 hop là, d'argent, 153 d'XP. C'est cool. Hey, you're catching on quickly. Ça nous fait combien d'argent? 2357. Pourquoi on a autant d'argent? On n'avait pas d'argent tout à l'heure. On a commencé à zéro. On a eu 500 et 700. On devrait être avec les broutilles qui vont avec. On devrait être à 1003, 1004 maximum. Pas 2003. Ils sortent d'où ces 900 euros de plus? On va faire de la mousse. Merci. On va peut-être aller prendre le point d'observation ici. Histoire 2. Oh, une petite maison. Une aire de repos. Ah, bah voilà. Découvrir les aires de repos de chaque région vous permet de vous y rendre rapidement. Ça c'est bien, c'est comme des zones de TP. Du coup, quand t'as besoin de te rendre d'un côté à l'autre, bah ça va plus vite. Ça t'évite des fois de marcher pendant 10 minutes. Axe papillonne? Non, c'est pas mon genre. Accepter les défis. Acheter des armes. Très bien. On parle de muscat, une heure de repos. Bah, tout à fait. Ah, c'est pas la bonne touche. Ok. Aire de repos débloqué. Ah bah voilà. Avec 100 points d'expérience en plus. Please register. Ici. Voilà. Donc là. Dans cette caisse, on peut acheter de nouvelles armes. Ça coûte un petit peu cher quand même. 6000, 12000 par exemple pour les carabines. Mais on en a pas mal. Donc on a la Ranger. Celle-ci, pourquoi elle est bloquée? On la possède. C'est celle qu'on a déjà? Bizarre. On a les armes de poing. Donc on en a deux gratuites. La Fosco et la Sunberg. Ensuite nous avons les fusils. Donc on a celui-ci en calibre 12 qu'on vient d'utiliser pour tuer l'élan. Celui-ci en pompe. Et celui-ci aussi avec le double canon superposé. Et bien entendu on a les arcs arc à poulie. Ils sont très très bons aussi. Et on a un arc à 48000 qu'on débloque quand on a un score d'arc de 1300. Mais j'aime bien, contrairement à Hunting Simulator, c'est que du coup on a des statistiques et on nous parle un petit peu plus de l'arme en elle-même.
Ça, c'est plutôt cool. Si on va sur notre carabine, on voit qu'elle a une précision de 78. Une vitesse de recharge qui est assez lente, 49, qui est même pas 50%. Pas mal de recul, par contre, elle est bonne au tir au jugé. On a par exemple celle d'au-dessus qui a une précision pourrie. Pourtant, un fusil à 60 000. Tu peux recharger très rapidement. Le recul, il est à 0, enfin à 100. Normalement, pas de recul. Par contre, très, très pourri au niveau de du tir au jugé. Au final, en précision 78, on est pas mal sur celui-là. Mais le meilleur, bah, c'est celui-là. Hein. Il a énormément de recul. Il doit mettre une grosse patate. Par contre, précision 100%. Toujours dans le 1000. Tir au jugé, il est très bon aussi. Et 6 cartouches. Après, tu as les munitions aussi. Qui vont changer pas mal de choses. Les balles à pointe polymère, par exemple. Voilà. C'est plus aérodynamique. Trajectoire très plate. Pénétration sérieuse aux balles arrondies qui les rend idéales pour abattre du petit gibier et moyen gibier comme le chevreuil ou le coyote à longue distance. Ça, c'est cool. Tête polymère Magnum. À tête molle, c'est les balles gratuites. Elles sont versatiles, c'est-à-dire polyvalentes, et compensent leur faible pénétration par une expansion rapide à l'impact. On peut abattre des cerfs avec ça. Et très bon pour les chasseurs débutants. Voilà. Et ça a le mérite d'être gratuit. Après, on a des mires aussi. Grossissement jusqu'à 4 fois. Et on a d'autres mires. Après, c'est 24 000, c'est 12 000. Ça coûte quand même assez cher. Grossissement 8 fois, c'est quand même pas mal. 16 fois sur celle-là. Score de carabine, il faudrait qu'on soit à 3900. On est seulement à 17. Et la prochaine qu'on pourra acheter, limite, c'est celle-là. Grossissement x1, pas forcément utile. Ce serait celle-là. Mais il faut avoir 550 points. Et ça coûtera 12 000 crédits. Et grossissement 4 à 8. Là, c'est quand même plutôt cool. Ensuite, on a plusieurs appos. Pour les dindons, pour les canaries et tout ça. Vraiment pas mal de choses. Les leurres olfactifs aussi. On a les appos, bien entendu, mais du coup, les leurres olfactifs peuvent faire un énorme travail également. Et là, ça dépend du niveau. On est au niveau 2, et du coup, bah, il faudrait être niveau 7, par exemple, pour avoir celui pour les chevreuils. Là, on peut avoir le porte-musque. Aussi, une espèce de chevreuil, mais bon. Pour les sangliers, niveau 33. Enfin, voilà. Après, dans notre stockage... Donc si on veut, on a le Stradivarius qu'on pourrait utiliser à la place du Ranger. Je vais garder mon Ranger quand même pour le moment. Il est pas mal. Si on regarde un petit peu plus le Stradivarius. Ouais, il est pas si bien par rapport à l'autre, je trouve. Après, je sais pas si on peut le revendre ou pas. Après, on peut personnaliser. Ça, c'est plutôt cool aussi. Donc, c'est un truc vraiment sympa. Une petite option vraiment sympa. Non. Mais non. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. Voilà. On peut appliquer, du coup, une couleur, un camouflage dessus. Et il y en a pas mal de disponibles. On a des peintures. On a des sprays. On a des matériaux. Les camos. Les wraps. Et on va prendre les munitions. On va les mettre, voilà, dans notre sac. Ah, il faut que... Du coup, comme je me suis foiré... Stockage, personnage, donc ça.
Tenue, camouflage de la toundra. On va peut-être plutôt prendre ça, non? Camouflage de la toundra. Pourquoi j'avais le camouflage de la toundra? Gestion des trophées. Ok. Je peux l'empailler si je veux. Et au chenil. Ah, je peux récupérer un pisteur. Ok. Pour remettre les munitions. Du coup, carabine, pointe polymère. Aucun article compatible. Ah zut! Pourquoi c'est pas compatible? Les balles que j'ai achetées. C'est con ça. La mire, on va la mettre ici. Et on sera pas mal. J'ai tendu le gazon. Need a place to rest. There's a cabin in each outpost. I had them gutted and redone last season. 250 balles. Ça permet de passer les heures et de guérir. Pas besoin de guérir. Mais voilà, on va se rendre sur la tour de guet là-haut. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est toujours en mode camouflage blanc? J'ai pas dû valider la tenue CTLM. Ah. Il est parti vite le cri. Hein. Bah ouais, c'était bien marqué pour carabine pourtant. Pas grave. Je sais pas si on peut pas on peut revendre l'équipement ou pas. Allez, encore 100 mètres. Qu'est-ce qu'on a comme trace ici? Des dindons. Ils sont partis au trot. Faut être patient, tu peux pas revendre. Bon bah tant pis. On le laissera stocker. Un ours. Il est parti au trot aussi. Allez, on arrive à la tour. On va voir un petit peu ce que ça va nous faire découvrir. Après, il y a tous les points d'intérêt, etc. Oui, les animaux que tu chasses, du coup, ils te rapportent de l'argent. Ça, c'est l'avantage. Ce qui te permet derrière d'acheter de l'équipement et tout ce qu'il faut. Alors je sais pas, mais je trouve le jeu quand même plus joli que Hunting Simulator, qui est pourtant plus récent. Et je trouve vraiment toutes les features, vraiment le gameplay plus développé. Alors vous me direz ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, bien entendu. Mais ouais, je trouve quand même le jeu mieux fait. Would you look at that view? Never gets old, I'm telling you. From up here, you can see a lot of great hunting spots in the area. Oh, 1000. Ah oui, d'accord. Donc c'est ça l'argent qu'on a eu tout à l'heure. 1000 balles quand même pour ça. C'est plutôt cool. Be sure to stop by one of the outposts. You can find pretty much anything you need there. Ça a quand même une sacrée portée. Mission terminée, tâter le terrain. Donc c'est pas la mission qui m'a fait... Là on voit qu'il y a un sentier, qui m'a fait gagner de l'argent tout à l'heure, c'est le poste d'observation. À
Après, il y a des endroits où tu peux construire des petites cabanes de chasse. Et ça, c'est plutôt cool. L'ours, ce sera pour une prochaine fois, je pense. Que vu l'heure, on va pas tarder de s'arrêter. On va redescendre par là. Oh, on pourra aller voir là-bas un peu ce qu'il y a. Ça pourrait être pas mal. L'ours c'est calibré 9. Ah. Oui, il a été gratuit sur l'Epic Game Store. Et en fait, c'est pour ça que je me suis rappelé de ce jeu, même si j'en avais parlé déjà longuement quand j'ai fait Hunting Simulator. Mais c'est vrai que du coup, le fait de le voir arriver gratuitement, je me suis dit, ah, tiens, ça peut être cool. Ça peut vraiment être sympa. Il y a de la demande. C'est un jeu qui me plaisait bien. Pourquoi ne pas se faire plaisir? On va essayer de pas tomber, pas se faire mal. Ce serait malencontreux quand même. Alors les traces. Il est parti au trot par là-bas. Il y a encore un cairn là-bas. Ah, et puis il y a vraiment pas mal de DLC et, sur Instant Gaming. Hein, ils sont à 1 ou 2 euros. Ça peut valoir vraiment le coup. Tu peux te faire une belle petite collection, du coup, très facilement. Au trop. Par contre, je sais pas si c'est compatible avec l'Epic Game Store ou Steam. En général, c'est plutôt Steam. On va aller valider ça. Note écrite. J'écris cette note dans le but que quelqu'un la trouve. Qui que vous soyez, prenez le temps de profiter du paysage. Au nord, vous trouverez une aire de repos. En chemin se trouvent des tombes à ne pas manquer. Super. On va trouver des tombes. Ça donne de l'expérience. Toutes ces petites choses comme ça que tu as sur ta carte, ça te donne soit de l'expérience, soit de l'argent. Et ça, c'est vraiment chouette. Du coup, quand tu commences, t'as pas trop d'équipement. Donc, ça peut être galère. Et finalement, on te permet d'évoluer facilement, même si tu trouves pas de gibier à tuer. Et ça, je trouve ça très intéressant. Oula, ça s'excite un petit peu. Là, il y a beaucoup de traces. Au trop par là-bas. Au trop par là-bas. Ok, on a eu du passage là. On va se refaire un petit dindon. Il y a lui qui se barre, mais lui il reste tout seul. Seul et isolé. Ah bah là on n'est même pas à genoux, on est carrément à plat ventre. On rampe dans les cailloux. Mais le but c'est vraiment de pas être visible et de faire le moins de bruit possible. Pourquoi il accélère? Oh je les ai perdus de vue. Zut! J'aurais dû tirer de là où j'étais. J'ai été trop tactique pour une fois. Et là, je sais pas du tout s'ils sont envolés ou pas.
Non, ils sont là. Ok. J'essaie de les prendre, de les contourner. Les prendre par en haut. Merde, ils s'envolent. Zut! Je me suis foiré. Je sais pas s'il a réatterri dans le coin. Ah! On a quelque chose là. Un élan. Écoutez, on va descendre tranquillement. On va aller choper l'élan là-bas. Et du coup, faudrait quoi comme arme pour avoir les dindons? Alors, forcément, il a bougé, il était dans le coin. Non, il est toujours là. On va y aller tranquillement. Mais sans parfum, sinon ils vont sentir rien. Ah mince, faut que je rentre dans l'égout fraise du coup. Calibre 1, d'accord. Il va doucement. Le problème, c'est que là, je suis en contrebas. Donc lui, il me voit pas, mais moi non plus. Axe calibre 1. T'es con. Il est toujours là. Niveau 1. Il y a cette grosse touffe là devant. Ça gêne la visibilité. Je l'attendais, je sais pas pourquoi, je me dis je vais pas relever parce que sinon ça va partir. Il peut revenir ou pas? Il est parti où? Je l'ai touché pourtant, je l'ai bien touché là. On va retrouver sa trace, mais... C'est à lui, ça? Très ancienne, bah non. Zone de passage, y buvait. Très faible. Oh, t'es sérieux? Il est parti par là?
Et ces traces n'ont pas de sens. Zut, traces de sang très faibles. Pourtant, j'ai tiré là où il fallait. Hein. Hey, mais comment est-ce qu'ils peuvent encaisser ça, sérieux? J'aurais dû balancer du calibre 12. Ça aurait fait plus de dégâts. C'est lui là-bas? Yes. Non. Il avait pas de bois le mien. Il avait pas de bois comme ça le mien. Ah non, tout à l'heure j'ai tiré dans la tête sur le premier et ça a pas marché non plus. Le portable. Après, si je regarde sur la carte, il n'y a pas de... aire de repos. Rendez-vous à l'aire de repos. On s'en fout, là, pour le moment, je suis en train de traquer. On regarde sur la carte. Il nous a bien fait courir, quand même. Hein. Bah ouais, j'aurais bien aimé... choper quelque chose de plus. Après, on a déjà eu des proies ce soir. On a quand même tiré quelques balles. On a quand même touché plusieurs fois. Il fuyait. Il y a quand même de quoi faire. Et le jeu est super beau. En tout cas, j'aime beaucoup et je préfère largement Hunting Simulator. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires. Et vous savez que vous pouvez retrouver en description de la vidéo. Vous cliquez sur lire la suite, tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, pour rejoindre le Discord, pour acheter le jeu si vous voulez. À prix préférentiel, hein, il est à même pas 5€ en ce moment, donc profitez-en si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque. Et sinon, vous avez les liens aussi pour soutenir la chaîne. Vous pouvez toujours penser à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez un petit pouce bleu, un commentaire, ça aide à référencer les vidéos et ça ne coûte rien. C'est gratuit. Ça soutient bien. C'est pas grave. En tout cas, on est pas mal ici. YouTube, on va s'arrêter là pour cette rediffusion. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Tu sais ce qu'il faut faire. Si c'est le cas, et bah on se retrouve très rapidement pour la suite de cette aventure ou pour un live, n'hésite pas, il y a le lien du planning en description de la vidéo également, donc bah voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te fais plein de bisous, et je te dis à très vite YouTube, ciao, bye bye.